faudrait quand même pas qu'on rate cette super scène de... d'introduction. Bienvenue dans King of Retail. Déjà, c'est en français. Est-ce que c'est un signe que c'est un meilleur jeu que... donc... Gestionnaire de charge, c'est vaguement en français. Personnaliser. Importer, écrire vos propres images, écrire le logo de votre magasin. Ah, donc je peux... Alors, attendez. C'est-à-dire que si je fais... Attendez, j'espère que vous n'allez pas voir tout mon disque dur, ce serait gênant. Ok, juste deux secondes. On va faire un truc. On va revenir là-dessus très rapidement. Document, mes images. Non, ça va être où? Je vais trouver un. Touchez pas, je vais trouver. Bah, je vais essayer d'utiliser mon avatar. C'est ça ce que je cherche? Oui, c'est ça ce que je cherche. Ok, ensuite, document. Ensuite, mes images. Ou images, ou ça va être. Ou pictures, peut-être, j'en sais rien. Ah mais attendez, il faut que je trouve précisément... Ok, attendez, je m'emmerde pour rien. Je m'emmerde pour rien, je reviens dans deux secondes. Voilà. travail important, très important, slash config, slash grosse config, slash gros oiseau, gros trou. Donc... Ça va, je ne jugeais pas, ok. les oiseaux, ils ont le droit de s'aimer. Alors. Bien. Et si on suit là? Ah, j'ai une image de couleur et une image d'éclairage. Alors, j'ai pas d'image d'éclairage, mais on va déjà prendre celle-là pour commencer. Ok, très bien. Et maintenant, du coup... Ah, ajouter un nom à mon logo. Voilà, wesh ma gueule. Utiliser la couleur. Ah, je peux même un peu faire du... Si j'ai vraiment envie de dégueulasser le truc, je peux faire ça, c'est ce que vous dites. Bien, c'est quoi? Nous allons enregistrer ce logo. Logo a été enregistré. Parfait. Je vais revenir. Je peux créer des affiches, personnaliser le personnel. Ah, je peux charger une liste de personnel, c'est-à-dire que je peux mettre le nom de tous les viewers si j'ai envie et m'amuser avec ça. Ah non, on va jouer en euros. C'est encore plus drôle. Parfait. Bien. Nouveau directeur. Je veux une femeuf. Que nous allons appeler Alivana Ferragune, bien sûr. Type de visage. Black, corps athlétique. Yannick, non? Bien, ça c'est rien. Alors, couleur de peau, blanc comme un cul de laitier, hein, comme d'habitude. Couleur des yeux, ce sera très bien. Couleur des cheveux, je suppose. Oh bah oui, parfait ce qu'on a. Et en coupe de cheveux, qu'est-ce qu'on a qui dit sexy, cool, jeune et frais? Ça fera le travail. Parfait. Créer. Barbe rousse. Des bonnes références. Merci monsieur le curé. Donc, mode magasin unique, mode campagne ou école de commerce? Putain. Ah, école de commerce all day, every day. C'est parti. Elton Ferragus, live for l'école de commerce. Ah, le jeu est en QWERTY. Écoutez ce bruit d'école de commerce. De toute la foule qui clame. Dans cette salle vide. Comment je fais pour parler aux enseignants? Est-ce que je pourrais avoir un tutoriel sur comment je fais le tutoriel?
Silence, bande de moches! 90% d'entre vous seront en échec scolaire d'ici 4 minutes. D'accord, je vais sortir. Laissez-moi sortir. D'accord, je viens de trouver la touche d'interaction. Ok, je reviens. Connaissez votre région, choisissez vos articles. Il y a 98 000 études sur les 4. Choisissez votre région. Putain, ça va vraiment être des PowerPoint. Donc, richesse faible, mode faible, soyez agriculteur. Richesse haut, mode haut, soyez célébrité. Bon, un mélange unique de clients, ils sont classés dans les segments suivants. Qu'est-ce que je... Ok. Comme vous pouvez le voir, le graphisme montre que chaque segment recherche lorsqu'il fait ses courses. Donc, richesse moyen, mode moyen, ouvrier, branché. Montre que chaque manque recherche... Graphisme à secteur, la population pourrait ressembler à ceci. Graphique, vous pouvez voir que cette fille a proposé une faible revenu. Différents segments, modèle d'achat. Sur l'ordinateur, vous pouvez voir les statistiques. Je m'en fous tout ça. Parce que vous vendez des articles, le marché sera saturé par ces articles. Plus vous vendez un article, moins les clients en auront besoin. Saturation moyennée sur plusieurs jours. Concentrez sur différents articles. Vous avez besoin des différentes catégories. Magasin de réputation à tenir auprès des segments clients. Bonjour Anna. Je veux sortir. Choisissez votre article. Voilà, ça c'est un... On va encore être un putain de PowerPoint. Prix de l'article, niveau de qualité de l'article. Article mode score. Score de luxe de l'article. Exemple d'article. Qualité, design, luxe. Personne n'écrit comme ça sous un tableau. Personne n'écrit comme ça. C'est complètement illisible. Au secours. Je le vis bien. Je le vis bien, je suis détendu. Par exemple, les agriculteurs ne regardent que le prix pour acheter un article. Le prix doit être suffisamment bas. Les célébrités s'intéressent davantage à la mode et au luxe et sont relativement indifférentes au prix. Attendez. Niveau de qualité de l'article. Expliquez à quel point un article est élégant. Quel point est pointilleux lorsqu'il décide d'acheter... Ok, très bien. Vous savez quoi ? Je sais tout ce qu'il faut. Je sais tout ce qu'il faut. Je suis dans l'incertitude que là, je suis au top. Je vais pouvoir gérer ma propre boutique. J'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Je quitte. Mais non, mais je peux reprendre de revenir. Merci. Charge. Je pense qu'on va faire un magasin unique pour commencer. On fera le mode campagne peut-être plus tard, mais on va déjà attaquer le magasin unique. Nouveau jeu. Oui, mon putain de logo. Oui, mon putain de logo. Alors, on est sur une ville qui est composée principalement d'agriculteurs et de retraités. Mais si je change les statistiques, je peux les changer comme je veux, d'accord. C'est quoi ? On va garder le truc de base. Ah ouais, là, ok. Parce que là, c'est sur une ville de 641 000 habitants. Là, c'est 3 millions 9. D'accord, ça re-rentre de mise les stats, au fait. D'accord. Oui, on va prendre une ville de compte pauvre. Ça sera très bien. Ah, pardon, je veux dire une ville de... Bref. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Une boutique de fringues, j'aime bien l'idée, mais une boutique de fringues pour... Ou alors d'électronique. Qu'est-ce qu'on prend, les gens ? Nous avons le choix entre vêtements pour... Alors, attendez, oui, je vais peut-être bouger un tout petit peu la caméra, parce que sinon, vous n'allez pas tout bien voir. Voilà. Nous avons vêtements pour hommes, électronique, épicerie et vêtements pour femmes.
Donc déjà là-dedans, on peut faire une boutique d'ordinateurs. Mais est-ce qu'on va vraiment... On peut faire une boutique d'ordinateurs et d'appareils mobiles. Peut-être qu'on peut faire les deux. Boutique Donjons et Dragons. Alors on n'a pas ce choix-là malheureusement. On n'a que ces quatre choix-là. On n'a que vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, électronique et épicerie. Ah mais je peux faire une boutique de vêtements pour hommes et épicerie. Non, vous savez quoi, j'ai une super idée. On va faire une boutique d'ordinateurs et de hauts et chaussures. On va faire une boutique qui vend des ordinateurs, des appareils mobiles, des hauts et des chaussures. C'est décidé. Let's go. C'est parti. Le logo, mais tu le connais le logo ? On l'a déjà... Voilà, merci. Ah oui, QWERTY, c'est vrai. Attendez deux secondes. Putain de limite de caractère. Voilà, on va se démerder avec la routique. Non mais mon dieu. Voilà, le shop du bonheur, c'est très bien. Ok. Le B de shop. Comment ça le B de shop? Tu mets tout en diagonale. Ça va être très bien. Prochain. Couleur principale. Ben, toi-même, tu sais ce que c'est les couleurs principales. Kevin, tu as regardé le stream déjà. Les couleurs principales seront violette et orange. Un peu moins orange que ça, quand même. Voilà. Parfait. Taille du signe. J'ai vu le signe et il a ouvert mes yeux. Voilà. Couleur du signe. Ben, ton avis, connard. Couleur du nom, par contre, on va faire un orange, mais un orange un peu plus. Voilà, comme ça, ce sera très bien. Ok, démarrer le jeu, je sais pas trop. Boutique du bonheur, ça fait quand même petit réac cramé sur les hauteurs de Saint-Trope qui pensent de façon un peu trop excessive au bien-être animal. Ah oui, j'entends ton point. Je ne vois pas trop de qui tu veux parler, mais. Bon, félicitations pour votre nouvel magasin, c'est votre journée de pré-ouverture. Ce qui signifie que vous avez tout le temps du monde pour préparer votre magasin pour la grande ouverture. Pour vous aider, nous avons préparé une liste de choses à faire qui vous permettra d'être opérationnel. Bonne chance ! Achetez une unité de livraison. C'est blanc. C'est très blanc. Ok, je vais trouver. Conception et inventaire. Acheter inventaire ? Stockage ? Unité de livraison. Ah oui, tu veux que j'achète des palettes, en fait. Je vais acheter des palettes. Peut-être même en acheter 2-3 tout de suite. Voilà. Acheter une unité de stockage. Est-ce que je peux la mettre sur ce mur-là ? Est-ce que je peux la tourner ? Oui, avec la molette. Qui tire son nom du fait qu'elle est très molle. Et à noter du coup que Apple travaille en ce moment sur un projet de souris avec la molette qui est un peu plus malléable, on l'appellera la mine. Donc, commander des articles. Commander des articles, très bien. Donc, il nous faut des téléphones mobiles. À bas prix. Est-ce que tu les as classés par le prix d'achat affiché, le prix de vente ?
Non, il nous faut pas des trucs qui puent le luxe, il nous faut des trucs qui puent le budget. Comment je classe? Parce que du coup, il nous faut des trucs avec la barre verte qui soit assez haut. C'est là. Mais ces trucs-là, c'est... Parce que c'est ça le concept, non? Il faut que je regarde la barre verte. Et je peux pas trier les articles, ce serait trop de vous demander, bordel de cul. J'ai combien? J'ai quoi comme budget, au fait? J'ai 2000 balles. Très bien. Oui, il fait pleuvoir les 33-10, putain. Ah oui, mais c'est là les 33-10. Pourquoi les 33-10, c'est super recherché? Tu sais quoi, pour l'instant, comment je fais du coup? Ah, faire glisser les articles ici, très bien. Pour l'instant, on va se spécialiser dans la vente de téléphones pour vieux. Donc ceux-là aussi, tu vas m'en mettre, mais pas des masses, hein, parce que j'ai que 1000 balles. Donc voilà, pour l'instant, tu vas me mettre un de ceux chaque comme ça, voilà. Et en vêtements pour femmes, tu vas me mettre... des hauts décontractés. À destination vraiment du... Non, on va... des sous-vêtements. Voilà, parfait. Parfait. Voilà, là on a ce qu'on cherche. C'est vraiment ce que je pensais. Bien, donc ça, hein, ça me paraît bien. Ça aussi. Ça me paraît bien aussi. Ça me paraît bien. Voilà, on va prendre pour 1000 balles de stock pour l'instant. Hein. Ok. Ça, hein, voilà, pour le sport, hein, entre guillemets. Ceci, voilà, ça. On va peut-être en commander 2-3 de chacun d'ailleurs. Hein. Voilà. On a dit. Voilà. Hop. 3. Apparemment, il n'y a pas à s'emmerder pour les tailles. C'est quand même chouette. Hein. Ça serait vite casse-couille. Voilà. Là, on est bien. Ok. Nous allons commander ces items. Maintenant, je vais supposer qu'il va falloir que je les mette aussi en place. Comment ça, demander une livraison? Ok. Je vais également vous faire livrer aujourd'hui. Toutes les livraisons sont gratuites. Vous pouvez demander une livraison via le menu. Livraison de l'article. D'accord. Ok. Ensuite, déballez vos articles. Est-ce qu'on aura assez de stockage? J'espère. Bonjour. Vous ne seriez pas le livreur par hasard? S'il vous plaît, si vous pouvez vous bouger de fion. J'ai besoin d'aide, Kevin? Ah non, d'accord. Il n'y aura pas assez de place. Non, tout va bien. Déballez vos articles. Par contre, jamais de la vie, il y aura assez de place là-bas. Oh putain, je pense que j'ai fait des erreurs déjà. Je pense qu'il apparaît assez évidemment que j'ai fait des erreurs. Ou j'ai fait des erreurs ou je suis un génie. Mais ça, on sera fixé très vite. Ok, j'ai plein. Une erreur a été faite, c'est pas grave, nous allons nous adapter. Et par nous adapter, je veux dire... voilà. Donc, espace de stockage, c'est ce qu'on cherche. Hein. Oui. Commander. Tourner, parce qu'on n'est pas des bêtes, putain. Voilà.
C'est vrai que je vais en exposer, mais bon, autant prendre les devants. Bien. Maintenant, je dois acheter des présentoirs pour mes articles. Alors déjà, est-ce que je peux faire un peu de décoration, s'il vous plaît ? Rendre l'endroit un petit peu plus accueillant. Qu'est-ce qu'on aurait comme... comme truc qui respire l'accueillance ? Les lapins malins sous le sapin mangent un gratin et du pain avec les mains. T'es super doué, Jocelyne. Respect. Merci beaucoup, Cuon, pour le... Cuon, Cuon. Pour le troisième mois de Platinium, d'ores et déjà. C'est absolument adorable. Merci bien. Ah oui, ça c'est le seul que je cherche, ça, je pense. Ça, c'est un seul qui indique que nous sommes dans une boutique de type premium. Ensuite, sur le mur, qu'est-ce qu'on fait ? Peindre les murs. Alors les murs, on va du coup mettre un violet un peu sombre. Non, on va mettre un violet très clair parce que ça va illuminer la pièce. Ça, c'est un look que j'aime. Parce que ça crie à la fois la simplicité et la fashion, vous voyez ? D'ailleurs, on va aussi mettre ce truc dans le bureau, mais pas dans le dépôt. Parce que le dépôt va rester extrêmement brut. Voilà. Ok. Et modifier le plafond. Je veux dire que je pourrais même faire un plafond un peu... genre nuit d'été, comme ça. C'est merveilleux. Tellement d'émotions. Très bien. Ok, c'est déjà un peu plus accueillant. Ensuite. Gérer les articles. Non. Caisse enregistreuse, stockage, bureau, inventaire... Présentoir. Ok. Présentoir pour appareil mobile. Téléphone. C'est ultra cher. Ok, on va lui laisser de la place pour qu'il puisse circuler. On va en prendre deux. On n'a pas la place d'en mettre deux. Ah. Attendez, est-ce que je peux prendre celui qui est déjà en place et le déplacer ? Oui. Est-ce que je peux le déplacer contre le mur ? Parce que je vais supposer que la place pour circuler a déjà été comprise dedans, en fait. Cette musique qui est presque en train de me rappeler la musique qu'il y a dans Le Silence des Agneaux, Would You Fuck Me, I Would Fuck Me, tout ça. Voilà. Ensuite, vêtements pour femmes, eau, sous-vêtements. 250 balles le présentoir. J'ai confiance. J'ai confiance dans le fait que j'ai fait le bon choix pour le développement de ce magasin. N'oublie pas que t'as plus de vêtements que le téléphone. C'est pris en compte. Je suis certain que je vais pas du tout regretter d'avoir déjà dépensé toute cette thune. Et d'être littéralement à poil à l'heure actuelle. Ajouter des articles à la boutique, je fais comment ? Modifier les articles. Ok, très bien. Alors. Comment ? D'accord. Ok. Putain, j'ai 4 emplacements sur ce machin, mais c'est pas possible. Ajouter un article. Emballer l'article. Supprimer le remplissage automatique. Mais non. C'est quoi le remplissage automatique ? Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je vois pas les articles ? Il faut que j'aille les chercher moi-même ? Je comprends rien. Ok. J'ai plus la thune pour acheter la caisse ! Vous en faites pas. Vous en faites pas, ayez confiance, je sais complètement ce que je fais. Très bien. Non,
du coup, j'ai pas du tout envie que tu fasses ça. Tu sais quoi ? Oui, c'est génial. C'est génial, c'est exactement ce que je voulais que tu fasses. C'est top. On va prendre une grande table, on va mettre deux téléphones dessus, c'est génial. Non, mais je pense pas que je les ai mis, en fait. Je pense que j'ai fait une erreur. C'est dur à croire, hein, je le sais, mais je pense que j'ai fait une erreur. En bas des articles, c'est la première tâche. D'accord. Hop et hop, et maintenant. Oui, il faut que je reclique dessus. Ça y est, j'ai compris. Il a compris. Regardez bien, c'est impressionnant, cet homme a compris. A-t-il vraiment compris ? Ou est-ce qu'il se fout de votre gueule ? C'est discutable. D'accord, très bien. Tu sais quoi ? Ok. Maintenant, ici. Ici, ça va être le coin un peu plus. Voilà, donc là, déjà, on va mettre ces trucs-là qui sont un peu hot saucisse. Et maintenant, si je clique dessus, ils apparaissent sur le rayon. Oi. Mais pas tous. Ok, et celui-là, voilà. Ok, très bien. Donc la même chose, avec ce qui reste. Hop. Ah, je pense que le public de paysans du secteur, là, ça va vraiment leur plaire, ça. C'est... Ah, je pense que j'ai cartonné. Je pense qu'ils vont être extrêmement réceptifs à ce que j'essaie de leur vendre là. Oui, du coup, j'ai pété les plombs avec mon troisième présentoir. Il était complètement inutile. C'est pas grave, c'est pas comme si ça allait me foutre dans la merde financièrement à très court terme. Ok. Mettre à jour les vitrines de la boutique. Je vais présenter d'un côté ceci. Qu'est-ce qu'elle fout ? Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qu'elle branle ? D'accord. Et de l'autre côté... je vais présenter... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bonjour, Traxure. Non, annulé du coup. Voilà. Électronique. Qu'est-ce que... Où est mon putain de curseur ? Appareil mobile. Où est mon putain de curseur ? Téléphone. Où est mon putain de curseur ? Mais non, mais... Putain ! Électronique. Appareil mobile. Téléphone. Il y en a un où je suis sûr qu'on le vend. Celui-là, je suis sûr qu'on le vend. Celui-là, je suis sûr qu'on le vend. Goké. Est-ce que c'est pas la boutique qui fait le plus envie que vous avez jamais vu de votre vie ? Est-ce que cette boutique lingerie et téléphone portable, c'est pas le shop de l'avenir ? Là, je pense que je suis en train d'inventer un business model, moi. Et du coup, si je fais modifier les articles... Vous pensez que ça se passe bien dans un monde ? Téléphone... Ah putain, d'accord, ok. Mais en fait, il m'aurait suffi d'une seule table pour stocker toutes ces merdes. Est-ce que je peux revendre la table ? Non, je peux générer une réduction. Ah si, je peux le vendre. Ok, donc, modifier les articles.
je emballer l'article. Je veux un curseur. Je veux mon curseur, s'il vous plaît. Je m'énerve pas. Je m'énerve pas, je reste frais en toutes circonstances. Là, si vous pensez vraiment que je vais m'énerver, c'est mal me connaître. Supprimer la tâche. Je sais même pas de quoi tu parles. Oui, je veux vendre cette table. Et je veux ajouter des articles. Modifier les articles, oui. À cette table, appareil mobile, téléphone. Voilà. Parce que du coup, je peux ajouter ça, et je peux ajouter ça. Il ne me reste plus aucun téléphone, ils sont tous sur le présentoir. Parfait. Extraordinaire. Bien. Toi, tu vas être vendu aussi pour 130 balles, merci. Toi, nous allons donc on va réorganiser un peu les choses. Voilà. Ici, on fait ça. Et ici, on va espacer un peu ces trucs-là. Histoire que la boutique ait un peu moins une impression de... la personne qui la gère n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Ce qui reste vrai, hein, mais je veux éviter de donner cette impression, c'est tout. Hop. Voilà. C'est parfait. C'est extraordinaire. Bien. Acheter une caisse enregistreuse. Ah bah tiens. Heureusement qu'on a prévu le coup. Et qu'on a gardé un peu de budget. On serait ridicule sinon. Ah. Sauf que où je mets la caisse ? Très bien. Vous n'en faites pas, tout est prévu. Alors, vous savez ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de pas comprimer les choses. Ouais, fuck that noise. On change de plan. Tu es en pleine crise d'épilepsie, Kevin. Très bien. Est-ce que maintenant, éventuellement, y aurait-il la possibilité, s'il vous plaît, de mettre cette putain de caisse enregistreuse afin qu'on puisse commencer à ouvrir notre boutique ? Sans vouloir vous commander. Touche à ton fucking cure, Gérard. Très bien, j'entends. Nous allons donc mettre la caisse enregistreuse comme ceci. Non, j'ai honte. Je peux pas faire ça. J'ai honte, je peux pas faire ça. Bien, plan numéro 3. C'est ce que je voulais éviter, mais on n'a pas trop le choix. C'est absolument ce que je voulais éviter, hein, mais on n'a pas le choix. Avec cette bande-son qui est, je pense, ma nouvelle bande-son préférée de jeux vidéo. Ces musiques qui ne sont pas sans nous rappeler Persona 5. Bien. Non, mais ça devrait aller, là, au niveau des fringues. On devrait être bon. Voilà. Si maintenant, du coup, je la tourne comme ceci, c'est parfait. Ouvrez le registre. Acheter un ordinateur. Comment ça, acheter un ordinateur ? Comment ça, acheter un ordinateur ? $130 ? Ah, c'est vendu avec le bureau. Bon, ça c'est nice par contre. Tu ne peux pas faire ça aujourd'hui. Très bien. Terminé la journée. Cliquez sur le bouton de sortie sur le menu. Ah, celui-ci. D'accord. On a moins 30 balles. Lorsque votre magasin ferme, c'est là que vous avez terminé la journée, préparez la suivante. Ici, vous avez un bout...
Vous avez tout le temps du monde pour faire ce que vous avez avant d'ouvrir demain. Pour interagir avec l'un des objets, appuyez sur le bouton E lorsque vous avez terminé et le niveau appelement est donné. D'accord, très bien. Publicité. Bien sûr. Ok, très bien. Aperçu de votre magasin, d'accord. Donc on peut acheter du terrain pour rendre le magasin plus grand. Ok, très bien. Carreau jaune sur votre espace de vente. Carreau vert sur votre espace de vente. Jaune, stockage. Bleu, pièce du personnel. Modifier la taille des pièces. Yada. D'accord. Juste à chaque fois que vous sortez du bureau, ne vous inquiétez pas, mais si vous souhaitez enregistrer les modifications, vous pouvez les enregistrer à partir d'ici. Bien. Gestion du personnel. Très bien. Tableau blanc, vous pouvez afficher et gérer les personnels individuellement. Très bien. Ça, c'est la boîte pour les CV. OK. Tableau où vous menez les entretiens. Oh putain, ça va être génial. Et les horaires d'ouverture. OK. Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 17h, ça me paraît raisonnable. OK. Calendrier présente les événements qui se présentent dans votre région. Et ça, c'est pour se barrer. Bien. Allons regarder l'écran du budget. Bénéfices projetés, -3280. Mon nom, Philippe Echebest, et je suis là pour venir en aide aux boutiquiers qui ont besoin d'aide. Informations et statistiques. Ils veulent de la qualité. Un peu de luxe, apparemment. J'ai un peu de mal à comprendre. D'accord, donc ça, c'est ça. Et si jamais je veux, disons, augmenter ma surface de... changer les murs, modifier la façade, modifier le plan. Ajouter des zones. Modifier les murs. Je veux sortir. Je veux que tu m'exprimes ce que tu aimerais, ce que tu attends de moi. Changer de porte, modifier la façade. Ajouter un nouveau mur. Modifier le plan. Supprimer des zones. Ajouter des zones. Je ne comprends rien. Je veux sortir. Laissez-moi gérer ma boutique pendant une journée, c'est tout ce que je vous demande. Ah, oui. Nous avons la bonté de l'événement en commençant demain jour 1. Nous pensons que les segments complètes à la ville vont augmenter pendant les 4 jours. Très bien. La banque, ça se passe comment? Ça va bien se passer. Bien. Fonds moins 29. Ça va bien se passer. Oui, sur le plan, on voit l'emplacement de mes meubles, vraiment. Ah oui, merde, j'avais pas fait gaffe. Fun. Je vais supposer que j'ai pas la possibilité de le faire et que comme j'ai pas une queue, pour l'instant, il me donne même pas le choix de le faire. Allons tenir notre boutique aujourd'hui. Moi, j'ai pas pris de prêt, hein, donc tout va bien. Il est 8h04. Chomp chomp, la caisse est ouverte, ramenez-vous les gnoches. Vous ramenez ou quoi, bordel? Ok, je chomp chomp. Tu ouvres à 9h. Ah oui, ok, j'entends votre point. Mais moi, je suis déjà en place, moi. S'il y a des gens qui veulent acheter, je suis dispo maintenant. Monsieur, vous voulez acheter de la lingerie et des téléphones portables? On peut jouer en vue la première personne. Pas censé ouvrir au niveau de la caisse. Il me semblait que c'était déjà fait. Le magasin est ouvert pour aujourd'hui. Wouhou. Oui, je te confirme que la caisse est ouverte.
Magasin de lingerie, de téléphone portable. Vraiment, si je réussis pas là, je sais pas ce qui me manque. J'ai tout fait. J'ai tout fait bien. Personne, tu peux fermer, je pense pas du tout. Regarde, ils arrivent. Les clients arrivent en masse. Bonjour. Lingerie, téléphone portable. Ça y est. Regardez, c'est le nouveau concept store hip, cool, fun, jeune. À destination du public comme vous. Comment ça, vous n'allez pas rentrer? J'ai une cliente qui rentre. Non. J'ai une cliente qui rentre. Bonjour. Vous êtes notre première millionième cliente. Vous voulez quoi? Un téléphone portable, de la lingerie, on a tout. Est-ce qu'il y a moyen d'acheter une corde et une poutre, éventuellement, pour le magasin? Il doit y avoir un aménagement qui me permet éventuellement de mettre ça en place. Ah, bonjour. Beaucoup de gens qui rentrent. Non, très bien. Excuse me. Oui, bien sûr. Je vous écoute, monsieur. Je vais commencer la vente. Améliorer le bonheur du client. Recharger la patience du client. Est-ce qu'il vient de siffler, ce connard ? Je ne pense pas. Terminé la vente. Thanks. Je vous en prie. Je peux pas être partout à la fois, les gens. Hein, J'ai rien compris. J'ai rien compris, mais je crois que j'ai rien vendu. Hi. Spare two seconds. Bien sûr. Je vous suggère... cliquez sur l'article pour le suggérer. Je vous suggère... Ça marche pas, je suis désolé, au revoir. Bonjour. J'ai raté une vente. J'ai raté ma première vente. $142, baby. On est de retour. Back on the track. J'ai dit toujours 12h40. Il faut que je sois un meilleur vendeur. Il faut que je les convainque. Kevin, tu achètes... Ah, non, on va tenter ça. Kevin, tu achètes ce téléphone, je sais où ta grand-mère habite. Voilà, je pense que ça, c'est une technique commerciale. Ça me paraît legit. Je pense pas que ça poserait un souci à quoi que ce soit. Voilà, je vais me le faire. Je vais me le faire. Je vais y aller GTA sur ton petit cul, Kevin. Tu l'entends? Tu entends ça que je vais te frapper? Je vais te frapper. Je m'en fous que tu fais 30 cm de plus que moi. Je vais te tabasser le groin, Kevin. Je vais te donner des coups de pied au niveau du pénis jusqu'à ce que tu en meurs. D'accord? Tu l'entends, ça? Pardon. Non, je suis désolé. Je retourne dans mon... Voilà. Je retourne dans ma boutique immédiatement. Excusez-moi. C'était pas très gentil de ma part. Bonjour. Enfin, mais ceux qui passent juste pour faire ding-dong et qui ressortent ensuite... Mais j'ai envie de les gifler, hein. Je jure de mon Dieu que j'ai envie de leur tartiner la gueule.
Bien sûr, je suis là pour vous. Comment qu'en est-vous ? Je vous recommande ce modèle. Je vous recommande ce modèle. Je vous recommande ce modèle. Je pige rien, ce que tu veux que je fasse. Je clique sur l'article et il se passe rien. Je le vis super bien. Alors c'est possible que je me sois fait péter un portable, oui. Auquel cas, c'est un problème. Marchand de lingerie, téléphone portable. Votre burner phone et votre ensemble pour draguer. Dans un seul et même pack. Samsung X20, bonjour. Ah, voilà, je vous en prie. Je vais vous tabasser la gueule. Ah, ça y est, non. C'est vraiment ça de bosser dans un magasin ? Je veux dire, c'est vraiment une expérience aussi désagréable ? Arrêtez de passer dans la porte juste pour qu'elle fasse digne. Ok, très bien. Je le vis bien. Je suis extrêmement détendu. Attendez deux secondes, je vais me demander juste un instant. Je vais très rapidement changer la musique du magasin, je pense. Oui, faites tous mine que vous voulez. Non, il rentre vraiment. Il rentre vraiment. Attendez deux secondes. Il y a mon Twitch qui est en train de bugger. Hey, oui, bien sûr. J'ai même plus qu'une seconde pour toi, Vladimir. Que voulez-vous dire de votre assortiment ? Appareil mobile. Je pourrais l'acheter. Ah. Et est-ce que tu as entendu parler de... Appareil mobile. Alors, augmentation des besoins du client. Bon. Improuvé. Ok, d'accord. C'est parfait pour toi. Je me charge de la patience du client. Dis-moi en plus. Tu en as besoin. Il ne me reste que quelques-uns. Ça semble intéressant. Sauf que la boutique vient de fermer. Et du coup, j'ai foiré ma vente. Mais qu'est-ce que c'est que ce boulot de con ? Mais personne ne ferait ça dans la vraie vie, rassurez-moi. J'ai fait 49 balles. J'ai fait une journée de boulot entière. Avec le loyer que je paye, il me reste 49 balles. Je vais rentrer dans ce petit trou et plus jamais en sortir. C'est quoi ce petit trou, en fait ? Bon. Nous travaillons c'est désormais de 7h à 20, de 8h à 20h. Du lundi au vendredi. Il est quelle heure ? Oui, bon, on va arrêter pour aujourd'hui. Je réessayerai un autre jour. Je suis curieux. Par contre, oui, les nouveaux horaires, c'est 8h-20h maintenant. Hein. Il y a un moment... c'est bien gentil de vouloir une vie de famille, mais moi, j'ai un business à faire tourner, d'accord ? Donc voilà, ta femme, tu la verras quand tu rentres le dimanche soir. Éventuellement. Tu vends des fringues, tu dois ouvrir le week-end. Oui, d'accord. Et je vais ouvrir le soir aussi. Bien.
ça, c'est pas le salaire des employés qui a coûté quoi que ce soit non plus. Si jamais j'avais envie de mettre une petite annonce pour les hauts, combien ça me coûterait ? 20 balles ? Chasseur de prix, Fashionland, pièce en or, vie simple. Oui, dans vie simple, je vais mettre une pub pour la lingerie. Qui va me coûter 19 balles. Très bien, c'est parti. Ah, je peux la designer. C'est génial. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Jésus-Christ. €23,18 pour l'annonce. J'achète. Ok. Comme ça, on fait une annonce pour de la lingerie à destination des agriculteurs. Je pense que c'est un bon trip. Oui, regardez-moi ça. Bénéfice projeté, €49,47. On est déjà sur la voie du succès. À mon avis, on y est presque, là. On va sauvegarder la partie, quand même, pour jouer à la sécurité. Par contre, on va effectivement arrêter là pour ce matin. C'est compliqué, hein, la gestion de boutique, mine de rien. Type d'école de commerce. Une minute avant la fermeture, c'est une vente perdue. Merci Anna pour ces types d'écoles de commerce, vraiment ça va m'aider beaucoup je pense à comprendre. Vous n'avez pas de personnel, ouais je suis pas prêt d'en avoir à ce tarif là. Bien, allez hop, au revoir YouTube.